Je suis aujourd'hui à Strasbourg pour retrouver Jérémy Hans dans sa pâtisserie rue Spielmann. Il va nous présenter une nouvelle recette de Noël. Jérémy, on se retrouve aujourd'hui dans cette belle pâtisserie où vous nous avez déjà accueillis il y a quelques jours et tu vas nous présenter une nouvelle recette de Noël aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors on va faire une brioche feuilletée avec des fruits confits, des oranges et du cèdre. Du quoi? Un agrume. D'accord, ok. Voilà, donc pour la brioche feuilletée, en fait c'est un mélange de brioche simple comme on peut connaître. D'accord. Et un feuilletage sur le procédé du feuilletage, c'est-à-dire qu'on va incorporer du beurre dans la brioche, mais au lieu de pétrir le beurre dans cette brioche, on va en fait faire un feuilletage. Pour cette recette, il vous faut 500 g de farine, 10 g de cannelle, 10 g de sel, 40 g de sucre, 150 g de lait, 20 g de levure boulangère, 150 g d'œufs, 50 g de beurre, 250 g de beurre, un œuf et des agrumes confits. Donc pour la recette, vous avez tous les ingrédients secs, donc la farine, sel, sucre, levure boulangère, levure biologique. Là on est parti aujourd'hui sur 500 g de farine et je mets une petite partie du beurre de votre recette. Aussi à pétrir. D'accord, et ça fera une brioche pour combien de personnes à peu près? Alors là, on arrivera avec 500 g de farine, on arrivera à peu près à 10 pièces individuelles. Ok, donc on va se faire un bon petit déjeuner. Voilà, très exact. Alors pour le pétrissage, on met tous les ingrédients dans le bol, on commence à faire tourner. Donc avec le bras, hein, pour pétrir. Okay. Donc on fait tourner, on met en premier tous les œufs. Donc ça a pris combien d'œufs? Donc là pour 500 g de farine j'ai 3 œufs. D'accord. C'est l'équivalent de 150 g. Ok. Donc là on met tous les œufs. Après j'ai aussi 150 g de lait. D'accord. Ok. Là par contre le lait, je vais juste mettre la moitié. Et l'autre moitié va me servir en fait à réajuster ma pâte. Ok. Parce que suivant la température de la pièce, la farine qu'on utilise, on peut ne pas obtenir la même pâte. D'accord. Et le lait froid ou à température? Température ambiante. Il faut qu'on ait une pâte homogène, bien lisse. Et on peut la laisser un petit peu tourner, 2-3 hein, minutes, d'accord, une fois qu'elle est lisse et homogène pour qu'elle attrape un peu de corps. C'est très important. Et ça, elle va bien développer à la cuisson. Voilà. Donc dès qu'elle se décolle, on arrête un petit peu. On touche la pâte, comme ça on voit si elle est assez... assez humide ou pas. Donc là elle colle plus au doigt du coup, c'est... Là elle colle légèrement au doigt. D'accord. Mais on va la laisser encore un petit peu tourner parce qu'on voit qu'elle est pas tout à fait lisse. Elle est encore un petit peu granuleuse. Donc là on peut laisser tourner. Donc en moyenne 5-6 minutes. Ok. Jérémy, là tu nous as préparé notre belle pâte à brioche. Mm-hmm. Et donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec alors? Donc alors, maintenant on va l'étaler. Alors si vous remarquez qu'elle est un petit peu trop molle, ce que vous pouvez faire, vous la laissez juste une petite demi-heure au réfrigérateur, filmée à contact pour éviter qu'elle sèche, et après on peut l'étaler plus facilement. Ok, donc là elle colle plus, elle est super. Voilà. En fait, par le froid, on va éviter qu'elle va accrocher, donc ça va éviter de mettre trop de farine. D'accord. Si vous mettez trop de farine, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir beaucoup astiquer avant. Voilà. Donc là, on étale notre pâte délicatement. On va former un rectangle, ok, de même épaisseur, à identique partout.
précédente farine. Et on va poser notre restant de beurre sur la pâte. D'accord. Ok. Ok. Et après, on a une méthode de pliage qui consiste à plier de façon à avoir trois couches de pâte. D'accord. Et deux couches de beurre. Ok, ce qui va réaliser le feuilletage du coup. Voilà, c'est ça. En fait, il y aura une couche de pâte, de beurre, pâte, d'accord, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre. Ok, comme une feuille. On va vous montrer comment réaliser ça. Exactement. Donc, première étape, on fait, on replie un morceau de pâte, donc un tiers, là où il n'y avait pas la beurre, par-dessus. Et après, on prend l'autre partie, qu'on replie par-dessus. Donc là, tu casses le beurre, enfin tu replies. Voilà, on replie dessus, et après l'autre morceau de pâte par-dessus. Ok. Ok. D'accord. Et là, on étale jusqu'à avoir à peu près une pâte de environ 7 cm d'épaisseur. D'accord. Et là, le beurre que tu as mis, il était à température ambiante aussi, du coup. Ouais. Alors le mieux, c'est que la pâte et le beurre aient la même température. D'accord. Donc Jérémy, là, on a étalé du coup notre pâte à brioche. Donc tu as étalé sur combien de hauteur, du coup? Alors là, on est sur à peu près 1 cm hein, d'épaisseur. Donc ça, c'est bien pour le tourage. D'accord. Pour donner ces différents étages, c'est très bien 1 cm parce qu'après on va le plier, ce qu'on va appeler un pliage en tour double. Okay. C'est-à-dire qu'on va faire deux fois moins de manipulation que si on faisait un tour simple. On va juste plier une petite partie là, la partie restante, comme ça, d'accord, et on replie encore une fois. Et si on regarde bien, on a combien ? 4. 4 feuilletages. 4 okay. Au lieu de 3. D'accord. Et si on fait ça 3 fois d'affilée, bien sûr, les étages de beurre et de pâte, on va les multiplier beaucoup plus. Ok. Et donc une fois qu'on a fait ça 3 fois, on va l'étaler cette fois-ci sur un demi centimètre, d'accord, plus fin, pour le rouler. Ok. Et mettre nos agrumes à l'intérieur. D'accord. Alors, maintenant on l'a étalé sur un demi centimètre, on a juste pris un plus petit morceau pour que le plan de travail soit pas trop encombré, d'accord, parce que sinon c'est beaucoup plus grand, hein, c'est 4 fois cette taille. Donc, on a aussi un œuf pour la dorure. Donc, tu as pris un œuf entier du coup. Un œuf entier. Alors, il va nous servir à la dorure par la suite. Et aussi, là, on va en fait là, faire la jointure pour que notre boudin qu'on va rouler va coller. D'accord. Ok. Donc, je vous montrer. On va légèrement. Et on là, met juste un peu de. Un saut classique. On met un petit coup de. Un petit coup d'œuf juste sur le beurre. D'accord. Okay, parce que je vais rouler de haut en bas. Ok. Donc là, on peut rajouter, si on veut, un peu de sucre dessus, sucre cannelle, on peut faire vraiment plein de choses, des pépites de chocolat. Mais aujourd'hui, on va mettre quelques. Les fameuses agrumes. Voilà, et les fruits confits. Ok. Donc tu peux nous rappeler ce que c'était comme agrumes du coup. Donc on a du cédrat, donc c'est le jaune, et de l'orange. Donc on en met partout. Sachant que nous, on va le rouler en boudin, et après on va faire des tronçons d'à peu près 3 quarts de la hauteur de nos cercles. D'accord. Après, ça va encore un petit peu lever avec ça la va. Levure okay. Et à la cuisson. Je vais montrer. Donc, pour rouler. Donc là, tu commences par l'autre côté où tu as mis le. Voilà, je commence en haut. Côté. Ça, okay. Ce sera vraiment le centre de mon boudin. On commence en haut, et après. On roule en serrant un petit peu, pour pas qu'il y ait trop d'air à l'intérieur, pour un petit peu chasser l'air au centre pour que ce soit une brioche bien pleine. Donc tu le serres bien quoi. Voilà. Okay. Et une fois qu'on arrive au bout, on appuie légèrement pour que ça jointe avec l'œuf qu'on d'accord. a mis avant avec le pinceau. Et on va couper donc des tronçons, d'accord, suivant les moules qu'on a à la maison. Hein. Si vous avez des moules plus petits, vous coupez moins haut. Si vous voulez faire des grandes brioches. Ça va gonfler en fait après encore. Après, si vous avez coupé plus grand, ça va avoir du mal à cuire. Donc, voilà, en règle générale, 5-6 cm, c'est très bien. 5-6 cm, on pose au milieu du cercle. Et donc, quand ça va pousser, ça va vraiment aller contre le cercle dans un premier temps. D'accord. Et après, monter. On ne va pas laisser trop monter avant d'enfourner. Ça va vraiment bien pousser encore au fond. Okay. Il faut le laisser monter combien de temps du coup là? Voilà, on peut laisser, on va laisser 2 heures à peu près à 20 degrés. D'accord. Voilà. Et donc après pour la cuisson, dans un four en chaleur tournante, à peu près à 170 degrés, d'accord, pendant 15 minutes. Ok.
Donc Jérémy, la deux brioches, elles sont sorties du four et ouais. prêtes à être dégustées. Donc là, on a, comme dit avant, on a vraiment une brioche qui est très légère, qui a bien gagné en volume, qui est bien croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, avec pas mal de fruits confits à l'intérieur. Elle est bien dorée et bien appétissante en tout cas. Voilà, donc ça peut convenir pour le matin, pour goûter, tout le long de la journée. Une belle recette pour Noël. Voilà. Donc Jérémy, est-ce qu'on peut trouver tous ces produits dans votre pâtisserie? Ouais, on les trouve déjà actuellement sous forme de brioche feuilletée nature, brioche feuilletée pépite de chocolat, et certainement sous cette forme pour les fêtes de fin d'année. Ok, ben n'hésitez pas à aller faire un tour rue Spielmann à la pâtisserie Holmes à Strasbourg pour retrouver toutes ces brioches feuilletées et de nombreux autres produits. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Et en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube Bredala. Je vous dis à bientôt. Bientôt.